Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour d'ailleurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette émission. On a eu une petite pause parce que Monsieur l'abbé avait connu quelques problèmes de santé, heureusement il est rétabli. Notre ami Bonigaba est encore, encore des petits problèmes, c'est des tout petits problèmes, il a des béquilles, bientôt il aura sa canne. Et vous verrez qu'il a changé de look. Mais aujourd'hui, je vous présente d'abord Héritier Mozo. Héritier Mozo, bonsoir et bonjour. Bonsoir. Il est juriste de formation. Ce qui m'intéresse dans cette personne, c'est son ASBL, les amis des écoliers gagnants. Et puis, il a une autre organisation. Améliorons l'enseignement congolais. C'est ça? Je ne me suis pas trompé. Non, non, c'est ça. Mais c'est un Alors, projet. c'est un C'est un projet. projet. Ok, bonne chance dans ce projet. Merci. Mais à tout honneur, À tout Seigneur. à tout seigneur, tout honneur, je vais donner la parole à Monsieur l'abbé José Poundou, puisque c'est lui qui a inspiré cette émission et de toute façon. C'est bien heureux, nous préparons la rentrée scolaire. Monsieur l'abbé, c'est vous qui allez prendre la parole pour essayer de nous aiguiller dans nos réflexions. En Oui. proposant ça, vous vouliez dire quoi? Vous voulez souhaiter quoi? Quelle école pour quelle société? En fait, la question m'est venue à partir de l'idée que je me fais de l'école. Pour moi, l'école est un outil de reproduction sociale. C'est-à-dire que l'école sert à reproduire la société. Et donc, il faut maintenant savoir quelle est la société que l'on veut reproduire. Et c'est à partir de la société dans laquelle on veut vivre qu'on va déterminer le type d'école. N'est-ce pas? Je vais dans le concret. Nous parlons tous d'une république démocratique, d'une société démocratique. Nous sommes en démocratie. Nous sommes un état de droit. Et tout et tout. Eh bien, est-ce que l'école telle qu'elle fonctionne aujourd'hui est-elle une école qui prépare à la démocratie? Est-ce que c'est une école qui forme des démocrates? Est-ce que c'est une école qui forme des hommes et des femmes qui vont vivre cet état de droit et qui vont mettre en musique, en quelque sorte, qui vont accomplir, n'est-ce pas, hein, réaliser cet état de droit? Très bien. Voilà le sens de la question. Quelle école pour quelle société? Sinon, ce que nous avons très souvent, c'est quoi? C'est que, bon, nous vivons dans une société que nous disons démocratique, mais l'école ne forme pas de démocrates. Monsieur, L'école n'est pas démocratique du tout. Alors, finalement, nous sommes en déphasage. D'accord. Mais quand on observe notre société, monsieur l'abbé, moi je parle de là, est-ce qu'on peut dire que notre école est en train de réussir ou que, vu les résultats, l'école de la RDC a complètement échoué? Je voudrais que vous puissiez répondre peut-être à une question, parce que moi, la réponse, elle est carrément négative. Qu'est-ce que vous dites? Non, non, merci d'abord pour la question. La problématique telle qu'elle est posée par M. l'abbé, c'est une problématique tellement capitale. Actuellement, s'il faut analyser l'école congolaise, et voir les résultats que l'école produit, nous dirons carrément que les résultats n'est pas fameux. N'est pas fameux. Parce que lorsque vous voyez même la production même entre guillemets, des élèves qui finissent en République démocratique du Congo, il y a un problème. S'il faut même faire le statistique par rapport aux écoles congolaises et les écoles que nous voyons dans d'autres cieux, il y a pas match. Il n'y a pas match. Donc, les écoles de la République démocratique du Congo ont un sérieux problème et un problème qui doit être étudié de manière approfondie et trouver des solutions adéquates. Voilà. Et je pense personnellement que cet état de choses ne date pas d'aujourd'hui, parce que c'est depuis longtemps que nous constatons, par exemple,
nos autorités, ministres, général, tout ça, vouloir dépasser comment les embouteillages. Alors que les embouteillages, s'il y a embouteillage, c'est parce que c'est la société, ce sont elles, ces autorités qui les ont créées, parce que nous attendons des solutions de... Et ils veulent dépasser tout le monde, ils passent en sens inverse, alors qu'ils devaient servir, n'est-ce pas, de lampe témoin, de lampe qui éclaire, d'exemple. Alors je me dis, quelque part, on est en train d'échouer, on va droit dans le mur. Parce que nous, à l'époque, monsieur l'abbé de ma génération, quand on voyait juste le moniteur, on l'admirait, il était propre. Son vélo était... On avait envie d'aller nettoyer son vélo. Mais aujourd'hui, quel est le résultat? Parce que il faut, je crois, dire des choses telles qu'elles existent. Monsieur l'abbé parle de la démocratie. Est-ce que la démocratie, c'est celle-là qui consiste à vouloir dépasser les autres? Qu'est-ce que moi... je proposerai. On vous appelle, il y a longtemps, je peux donner l'exemple d'un premier ministre. Moi, j'habite loin. Il me dit, venez à 10h. Je dis, monsieur le premier ministre, je ne peux pas arriver à 10h parce que si vous voulez que j'arrive à 10h, il faut que vous m'ameniez des motards. Ah bon? Vous, pourquoi vous voulez dépasser les autres? Vous faites comme ces petits chauffeurs qui veulent aller ramasser tout ce qu'ils doivent transporter. Mais honte à vous. Non, mais franchement, on attend de vous des réponses. Alors, monsieur l'abbé, je vais vous repasser la parole. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour nous sortir de là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en route une école qui nous préparerait à la démocratie? Mais cette fois-ci, la vraie démocratie. Mais il faudrait peut-être commencer par dire quelle est cette vraie démocratie. Puisque c'est vous qui avez suggéré le sujet, répondez à votre propre question. Eh bien, je crois que la démocratie n'est pas uniquement ou avant tout une question d'institution. On parle d'institutions démocratiques. On parle du Parlement, de pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, la séparation de pouvoirs, les institutions dites démocratiques, n'est-ce pas, qui ont existé et qui existent dans notre pays. Mais je crois qu'au-delà des institutions, au-delà d'une organisation politique, donc une organisation de la société, il y a une culture, c'est-à-dire une manière de vivre. Et une culture, c'est un ensemble aussi de valeurs, n'est-ce pas? Et pour moi, personnellement, les grandes valeurs que je considère comme étant les piliers de la démocratie, c'est d'abord la valeur d'égalité. Une société dite démocratique, c'est une société où nous vivons avec la conscience que nous sommes tous égaux. Égaux de par notre nature. Ne confondons pas égalité avec, je dirais, une sorte de... Tout le monde est comme tout le monde. Non. Égalité ici, c'est pas une réduction, un unanimisme ou quoi. Non, égalité, c'est égalité de nature. La nature humaine. C'est-à-dire, tu es un être humain, je suis un être humain, et à ce niveau-là, nous sommes égaux. N'est-ce pas? Nous avons des différences. Hein, des différences de sexe, différences d'âge, différences de formation, différences de fonctions. De fonctions et tout cela. Mais tu es un être humain, je suis un être humain, et à ce niveau-là, nous sommes égaux. Ça, c'est pour moi un premier pilier important, et ce pilier va ensemble avec le respect de l'être humain. Égalité et respect de l'être humain, respect de l'homme vont ensemble. N'est-ce pas? Et si tu es un être humain et que je suis un être humain, tu as droit au respect, j'ai droit au respect. Et donc je dois me respecter et je dois te respecter en tant qu'être humain.
Voilà donc le premier pilier de ce que moi j'appelle une société démocratique. Mmh. Et le deuxième pilier, c'est la participation. Mmh. Une société démocratique, c'est une société où tous nous mettons la main dans la pâte. Tous nous participons. Nous participons à la réflexion, nous participons à la prise de décision, nous participons à l'exécution, nous participons à l'évaluation, nous participons, nous prenons part, chacun à sa manière, chacun, disons, selon ses compétences, chacun selon ses fonctions. Hein, mais il n'y a personne qui peut dire, hein, dans une société démocratique, moi, ça ne me concerne pas. Hein, je vous observe. Hein, je vois. Moi, j'ai droit à la garde. Voilà. Attends, j'exagère. Eh bien, la participation a un corollaire. Le corollaire, c'est la responsabilité. Lorsque je prends part, lorsque je participe, je dois répondre de ce que j'ai fait. Et je dois aussi répondre de ce que je n'ai pas fait, c'est-à-dire ce que j'ai omis de faire. Oui. Donc, la participation va de pair avec la responsabilité, responsabilité qui vient du mot latin respondere, qui signifie répondre, répondre de ce que nous faisons. Et donc, il n'y a pas de place pour des boucs émissaires. Il n'y a pas de place pour des irresponsables, des gens qui ne répondent de rien, n'est-ce pas? Il n'y a pas de place. Pour des intouchables. Des intouchables ou... Non. Dans la société dite démocratique, la participation de tous est une exigence fondamentale. Alors, et la responsabilité de chacun et de tous, donc une responsabilité personnelle, individuelle et en même temps collective, eh bien, ça va ensemble avec participation. Alors, pour entrer dans notre sujet... Oui. Ah bon, il y a encore une quatrième. Le troisième pilier... Non, quatrième. Non, parce qu'il y a égalité, participation, égalité, responsabilité... Participation. Égalité va ensemble avec respect de l'homme, participation va ensemble avec responsabilité, et troisième élément, c'est l'élément de vérité. La liberté et la vérité, voilà. La liberté et la vérité. Liberté pour faire le bien. Et cette liberté est le fruit de la vérité. Très bien. Parce que c'est la vérité qui rend libre. Et quatrième pilier, c'est le pilier de la justice. Le pilier de la justice... Pourquoi vous mettez ce pilier loin comme ça? Oh, ben, l'ordre importe peu. Très bien, ce n'est pas un ordre hiérarchique. Mm-hmm. Hein, c'est juste pour, disons, distinguer les choses. Très bien. Eh bien, la justice, c'est celle-là qui engendre la paix. Et la vraie justice, c'est celle qui sait distinguer le mal et le malfaiteur. La vraie justice va détruire le mal, va combattre le mal et sauver le malfaiteur et donner au malfaiteur la possibilité de se reprendre, de se ressaisir pour faire le bien. Et ce n'est que cette justice-là qui va engendrer la paix durable, la paix des cœurs, la paix sociale, la paix politique, la paix économique, donc la paix véritable. Alors, monsieur l'abbé, on vous a bien... Arrêtez-vous jusque-là d'abord, parce que ça va être compliqué. Maintenant, mettez ça dans le contexte de notre, de votre sujet. Quelle école pour quelle société? C'est une école qui reprendrait tout tous ça. Ces éléments. C'est une école d'où sortiraient des démocrates qui vivent les valeurs de la démocratie, qui ont incarné ces valeurs. C'est une école qui serait au service de la vie. En fait, c'est cela. Une école au service de la vie. Une école où on apprendrait à, non pas, on apprendrait sous contrainte, hein, avec la peur, hein, la peur de la punition, ou sous contrainte, c'est-à-dire la recherche de la récompense. Hein. Cette école forme des hypocrites. Absolument. L'école où on travaille avec la contrainte, la peur de la punition et la recherche de la récompense, eh bien, forme des hypocrites, des gens qui ne sont pas vrais. Pourquoi? Parce que pour éviter la punition, eh bien, on triche. Pour avoir un avoir poste... Pour avoir la récompense, on magouille. Oui, pour torturer, pour avoir un poste, on torture sa conscience, oui. On oublie que... On était de tel parti, maintenant on n'est plus... et c'est malheureux. Je voudrais que vous en arrêtiez là, pour qu'on donne la parole à monsieur
Héritier, monsieur Héritier, quel message avez-vous envie de donner ou d'apporter aux parents qui se préparent à la rentrée scolaire, qui est d'ailleurs l'objet introductif de notre sujet? Qu'est-ce que vous leur dites? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Le contexte de notre pays ne met pas les parents à niveau de préparer d'une manière meilleure la rentrée scolaire des enfants. Parce que nous savons actuellement, avec les systèmes de notre pays, il y a un problème salarial, il y a un problème des moyens, il y a un problème même des ressources financières auprès de parents. Et ça pose un sérieux problème. Et s'il faut lancer un message auprès des parents, c'est que, chers parents, avec le peu que vous avez, avec le peu de moyens que vous avez, battez-vous pour envoyer vos enfants à l'école. Nous savons que le pays a beaucoup de problèmes. Nous savons que vous, les parents, vous avez beaucoup de problèmes. Il y a même certains qui ne travaillent pas. Il y a certaines mamans qui doivent peut-être courir ça et là au marché, vendre peut-être des piments, des tomates, de braise. Et puis, faites l'effort d'envoyer vos enfants avec le peu que vous avez. S'il faudrait même laisser vos enfants s'habiller avec les anciens uniformes, porter, je ne sais pas moi, les quêtes, tout ça, les anciens quêtes, tout ça, envoyez vos enfants. Parce que l'avenir de la RDC de demain appartient à ses enfants. Bien que nos autorités, la majorité d'entre eux, envoient peut-être leurs enfants, je ne sais pas moi, en Europe, dans des écoles, je ne sais pas comment. Mais nous, au moins, avec le peu que nous avons, essayons d'envoyer nos enfants là où il faut. Là, vous êtes en train de dire que voilà, notre société n'est pas égalitaire. Bien évidemment, mais bien évidemment, ce n'est même pas une question à cacher. Là, oui, c'est tout à fait logique et c'est ce qui se passe. Je voudrais ajouter que, chers parents, n'allez pas jusqu'au suicide, hein, donnez vraiment le meilleur que vous pouvez, n'est-ce pas, monsieur l'abbé? Ben oui, j'aimerais aller plus loin que cela. La première école, ce n'est pas l'école où on envoie les enfants. La première école, c'est la famille. Voilà. C'est dans la famille qu'on apprend les valeurs démocratiques que j'ai évoquées tout à l'heure. Et d'ailleurs, ces quatre valeurs, piliers de la démocratie, égalité, participation, liberté, justice, eh bien, il faudrait ajouter aussi la valeur de la solidarité et partage. Donc il y a égalité qui va de pair avec le respect de tout être humain, participation qui va de pair avec la responsabilité, la liberté qui va de pair avec la vérité, la justice qui engendre la paix. Très bien, c'est la famille donc. Qui est vécue sous forme de partage, n'est-ce pas? Et alors, c'est la dans famille. La famille, on doit vivre tout cela. Mais monsieur l'abbé, c'est dans la famille qu'on doit vivre. Oui, mais on devrait vivre. On devrait vivre. Malheureusement. Parce que nous, vous et moi, à l'époque, les parents, on mangeait ensemble, par exemple. Mais aujourd'hui, il y a des parents qui ne sont pas en mesure de réunir les enfants, toute leur progéniture autour d'une table pour leur donner les premières leçons de vie, malheureusement. Et donc là, l'égalité. Bon, vous avez raison. Quand vous pouvez, ne laissez pas vos enfants, puisqu'ils sont au secondaire, ils sont à l'université, donnez-leur toujours les conseils de vie par lesquels vous êtes passé, ce que vos parents vous ont dit. Ne laissez pas vos enfants rentrer à minuit sous prétexte que, ah non, c'est vous leurs parents, faites un effort pour que l'éducation parte véritablement, que vous ayez droit au chapitre, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, je voulais ajouter par rapport à ce qui vient de dire M. l'abbé, les parents ont une lourde responsabilité, non seulement d'envoyer leurs enfants à l'école, mais de faire aussi les suivis de ces enfants, de quel type d'enseignement ils reçoivent au niveau de l'école. C'est très important, parce que souvent avec les parents, lorsque vous envoyez l'enfant, automatiquement, vous laissez l'enfant.
Vous n'avez pas le temps de contrôler ses devoirs, vous n'avez pas le temps de contrôler les contenus même de ce qu'il reçoit en termes de matière au niveau de l'école. Ça, c'est la responsabilité des parents. Bien évidemment, l'État aussi, ça s'appelle des responsabilités. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Le contenu... de la matière. Donc, bien évidemment, l'État, sa responsabilité. Mais le parent aussi... Les parents ont leur pas de responsabilité, surtout faire les suivis, parce qu'actuellement, avec les systèmes internet qui est là, avec la télé qui est là, avec la mondialisation qui est là, si les parents ne font pas leur travail comme il se doit, automatiquement nous aurons une société perdue. Nous aurons une société perdue, parce que lorsque M. Labbé parle de la démocratie, et surtout comme il a évoqué la problématique de l'éducation de la famille qui est aux bases même de la fondation de l'être humain, c'est là où se trouve tout le problème. Donc le parent, au-delà de l'aspect envoyer les enfants à l'école, payer peut-être le Minerval, assurer les rentrées scolaires, mais vous avez aussi l'obligation de faire les suivis de vos enfants par rapport aux matières qu'ils reçoivent, par rapport aux éducations. Donc, Monsieur l'abbé, généralement, on entend dire que notre enseignement est trop bas. Où a commencé, à partir de quand a commencé la déglingue? À partir des CO que nous avons connus? Ou quand? Parce que je ne sais pas si vous avez regardé les réponses de ceux qui... Ceux qui sortent du secondaire, on lui pose une question. Oui, nous suivons tout cela. Oui, mais ça, la déglingue a commencé quand? Difficile, hein? Difficile à dire quand, mais je crois que déjà à l'époque du Zaïre, à l'époque de Mobutu, les choses ont commencé à dégringoler. Et il faut avouer que la dégringolade est liée aussi au système de corruption qui est entré dans l'enseignement. Quand on commence à acheter des points, quand les professeurs, les enseignants commencent à vendre les points, ils vendent les points de différentes manières, n'est-ce pas? On a parlé à un moment donné, déjà à l'époque de Mobutu, à l'époque de Impère Parti État, on a commencé déjà à parler en ce moment-là des points sexuellement transmissibles. Ah, ça date de... Alors ça date déjà de cette époque-là, les points sexuellement transmissibles. Oui. Et donc, à partir du moment où la corruption est entrée dans notre société, la corruption a gagné nos cœurs et nos esprits de nous, les Aïrois à l'époque et les Congolais actuellement, eh bien, le système éducatif a commencé à dégringoler. Ah, il faut arrêter l'hémorragie. Il faut arrêter l'hémorragie. Et pour arrêter l'hémorragie, eh bien, il faudrait, pour moi, qu'il y ait une rencontre des trois acteurs de système éducatif. Les trois acteurs, c'est l'enseignant, les parents et les enfants. Ça, ce sont les trois acteurs, n'est-ce pas? L'enseignant, bon, il représente un peu l'État. Les parents, c'est la famille. Et les enfants, eh bien, ce sont non seulement des bénéficiaires, mais en même temps aussi des acteurs. Oui. Ils bénéficient, mais ils sont aussi acteurs de leur propre formation. Et je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin que cela. C'est que l'école pour la vie, c'est une école qui montre à l'enfant, mais à l'adulte aussi. Parce que je ne crois pas en une école qui serait réservée seulement aux enfants, aux jeunes. Il faudrait que nos écoles deviennent vraiment des écoles au service de la vie et qui forment non seulement les enfants et les jeunes, mais aussi les adultes. Et c'est comme ça qu'on a parlé à un moment donné, ici en Afrique et ailleurs, d'une école de promotion collective. Et l'école de promotion collective, c'est une école qui, pendant la journée, reçoit les enfants, les élèves, enfants et jeunes, et l'après-midi ou le soir, reçoit les parents.
et donne aux parents l'occasion de recevoir une formation qui les rend capables, n'est-ce pas, de suivre les enfants et d'être à mesure, d'assumer leur responsabilité d'éducateur, n'est-ce pas. Et moi, j'appelle ça l'école des parents. Très bien. L'école des parents. Il devrait y avoir une école des parents au niveau national, où les parents apprennent à jouer leur rôle de parents, mais de manière efficace. Très bien. De manière efficace. Vous savez, monsieur l'abbé, à un certain moment, l'occasion m'avait été donnée, on m'avait donné un cours à dispenser à l'université de Kinshasa, où je devais former pour la radio et la télévision. Je n'étais pas professeur, mais j'étais expert en la matière. Eh bien, j'avais fait un pari. J'avais constaté que à l'école, à l'université, il y a des gens, des filles et des garçons intelligents. Il y a aussi des bougres. Mm-hmm. Alors, j'ai commencé à recevoir, je crois que j'avais fait au moins 6 mois, je recevais les étudiants brillants de l'UNIKIN. Eh bien, c'était surprenant. Il y a des enfants bien outillés parce qu'ils sont à la recherche du savoir. Et à partir de ce moment-là, je m'étais dit, tiens, même quand l'école est faible, il y a toujours des gens brillants qui peuvent en sortir. Ouais, ouais. Et je vous assure, et moi je crois à cela. Parce que les étudiants qui venaient ici, ils surprenaient. On me disait, mais l'école n'est pas morte. Parce qu'il y a des fainéants, il y a des gens qui vendent leur sexe pour avoir des points. Et il y a aussi des professeurs qui sont fous, qui vont... Enfin, on va pas aller jusque-là. Donc, encourageons ceux qui suivent les quelques bribes qu'on leur donne et qui vont faire des recherches plus loin. Et ceux-là, il faut les féliciter. Qu'est-ce que vous avez encore envie de dire au sujet des programmes? Vous m'avez dit, c'était avant de venir à notre émission, que les programmes sont à revoir. Ah, ok. Merci beaucoup par rapport à cette question. S'il faut d'abord faire un pas en arrière par rapport à la question posée à l'invité, notre ami Sélabé, par rapport au temps, le temps dans lequel notre éducation a baissé. Moi, je pense que s'il faut voir même l'historique de notre enseignement, vous allez voir que la période précoloniale... La coloniale carrément. La coloniale carrément. Là, il y avait le Belge qui était là, et puis il n'y avait pas assez d'écoles, mais on avait essayé de former nos aïeux, pratiquement, en catégorie. Il y avait d'une part les pourquoi les vos aïeux, femmes, nous-mêmes? Monsieur l'abbé, bon. Oui, nous ne sommes pas encore vos aïeux. il y a nos mamans qui étaient pratiquement formées par rapport à leurs affaires de ménage, foyer social, tout ça. Et les hommes, ils étaient là en train d'étudier l'administration, tout. Et c'était bien. Et vous allez voir que les gens tels que des Lumumba et consorts, ils ont bénéficié de cette éducation de qualité. Il n'y avait pas la corruption, il n'y avait pas de mauvaises choses. Et voilà, à la fin, ils avaient une éducation correcte. Lumumba n'était pas licencié. Lumumba n'était pas docteur non plus. Mais Lumumba est célébré jusqu'à nos jours. Oui, à l'époque, il y avait des docteurs sans thèse. Bon, allons-y. Et maintenant, arrivé vers, pratiquement comme l'abbé a dit, vers les Zaïre, donc nous sommes vers les années 1975-1980, c'est là où le mal a commencé. Il y a la corruption qui est en train dans les systèmes éducatifs. Il y a d'abord les Belges qui sont partis. Et moi, je me dis souvent, bon, je n'étais pas à cette époque, mais lorsque les Belges sont partis, c'est comme s'ils étaient partis avec tout ce qu'ils étaient venus avec. Et c'est malheureux. Bien sûr, nous avions réclamé l'indépendance, mais qu'avons-nous fait de cette indépendance? Surtout au niveau de nos écoles, qu'avons-nous fait? Monsieur l'abbé va vous répondre. Voilà, qu'avons-nous fait de ces acquis qui ont été légués par les Belges? C'est vrai qu'il y avait un encadrement sévère
à l'époque où nous étions à l'école primaire, et il y avait, en tout cas, vous ne pouviez pas réussir si vous n'aviez pas étudié. Absolument. On ne peut pas réussir si on n'a pas étudié. Et aujourd'hui, on réussit sans avoir étudié. Ben, aujourd'hui, on achète les points. C'est dommage. C'est dommage. Hein? Et je crois que si nous parlons d'une école au service de la vie, une école pour une société démocratique, une société de valeurs, n'est-ce pas, démocratique, une école qui serait un outil de reproduction hein, de cette société, il faudrait revoir non seulement le contenu, hein, les programmes, mais il faudrait revoir aussi les méthodes. Les méthodes, hein, la pédagogie, comme on dit. Eh bien, aujourd'hui, la méthode, déductive dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire où le maître hein, qui connaît tout et l'élève qui ne connaît rien et le maître qui transmet, n'est-ce pas, le savoir hein, à l'élève, cette méthode ne paye plus. Cette méthode ne paye pas. Pourquoi ? Parce que on ne forme pas les enfants, les jeunes, à apprendre à résoudre les problèmes de la vie. On ne leur apprend pas à prendre les responsabilités hein, vis-à-vis de leur vie aujourd'hui, ici et maintenant. Vous voyez, n'est-ce pas ? Et on forme des éternels dépendants. Voilà, hein, des éternels dépendants. Parce qu'à un moment, on a même supprimé la dissertation. Des éternels dépendants. Hein. Alors, ce qui fait que un élève qui termine les humanités, il est incapable de résoudre parfois certains problèmes de la vie ordinaire, les problèmes simples de la vie, n'est-ce pas ? Il doit tout le temps demander au maître, n'est-ce pas ? Et ça s'est répandu, ça a marqué notre société, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, nous voulons faire quelque chose, nous allons demander aux Américains, nous allons demander aux Belges, nous allons demander aux Français, nous allons demander aux maîtres, hein, aux colonisateurs, néocolonisateurs, hein, disons-le, n'est-ce pas ? Et nous n'avons pas finalement acquis les réflexes d'autonomie, d'autonomie, d'indépendance, d'autoprise en charge, vous voyez ? D'autoprise en charge. Et alors, à l'interne, si je parle dans les relations avec l'extérieur, mais à l'interne, eh bien, nous constatons que s'est développée dans notre société une mentalité de bouc émissaire. C'est-à-dire, je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive, c'est l'autre qui est responsable. Et toutes ces croyances, hein, par exemple, à la sorcellerie hein, et tout, c'est l'autre qui est sorcier. C'est l'autre qui est à la base de mes malheurs, de mes misères. Si ça ne marche pas dans ma vie, eh bien, c'est à cause du sorcier, de l'autre. Parce que nous ne sommes pas en mesure de pousser la réflexion plus loin pour trouver où est le problème. Voilà. Alors, facilement, comme nous sommes dans une société des facilités, bon, le bouc émissaire, c'est voilà, le l'autre. Ouais. Alors qu'il faut, on aurait pu, on pourrait creuser davantage pour trouver des solutions aux mots qui sont en train de nous assaillir. En définissant d'abord ces mots. Il faut commencer par définir ces mots, bah, ces oui, problèmes. Il faut prendre conscience de ces problèmes. Par exemple, quand on amène un enfant chez le ganga ou chez le pasteur, mais c'est parce que tout simplement, on n'est pas en mesure de le nourrir. On dit, parazan doki, voilà. Et tout ça. Parfois, c'est des problèmes tout à fait élémentaires. Élémentaires, oui, exactement. Ah. Exactement. Alors, allons-y. Vous avez dit revoir les programmes. Oui, voilà, je voulais parler par rapport au programme. Oui. C'était d'ailleurs la question majeure que vous m'aviez posée. Notre enseignement, par rapport aux différents programmes, notre enseignement reste extraverti. Au moins 70%, si j'ai encore une bonne mémoire, de nos enseignements sont basés des faits extérieurs de notre pays. Or, pour que nous résolvons un certain nombre de problèmes par rapport à la qualité même de notre éducation, notre enseignement de notre vie, de notre vie, notre enseignement doit revenir, doit avoir les réalités de notre pays. Je donne un exemple simple. Il doit être authentique. Attention, authentique. Je vous provoque. Hein. Authentique. Je prends un exemple simple. Lorsque nous fûmes, par exemple, dans les écoles primaires, je ne sais pas moi ou comment. Alissala. Alissala, pratiquement. On vous dit. Lissala Ngombe. Lissala Ngomba.
On vous dit, voilà, on va étudier aujourd'hui la tomate. On vous dit, voilà, pour planter la tomate, il faut ceci, il faut cela, tout ça. Et le maître, parce que comme l'avait dit l'abbé, nous on appelait maître, les maîtres vous envoient en termes de pratique. Voilà, pour planter par exemple la tomate, il faut prendre une graine, mettre ça dans le sable et vous allez voir peut-être après trop, ça va pousser. On vous dit, on vous donne un devoir, allez-y chercher une peau, je ne sais pas moi en plastique ou comment, mettez le sable, mettre la terre, mettez la graine de tomate, ça va pousser et c'est un travail pratique qui sera coté. Là, automatiquement, vous envoyez, vous donnez en même temps la théorie à l'enfant, mais en même temps la pratique qui restera gravée dans la tête de l'enfant. Et tôt ou tard, vous êtes en train d'apprendre cet enfant à devenir autonome sur le plan, je ne sais pas moi, agricole ou je ne sais pas comment. Voyez, aujourd'hui, nos programmes sont restés carrément littéraires. Il n'y a pas la pratique. Il n'y a pas la pratique. Aujourd'hui, vous allez continuer, par exemple, à apprendre l'enfant Diego Cao. Oui, c'est bien, on peut apprendre Diego Cao. Mais quelle est la valeur ajoutée de cet enseignement sur l'enfant? Ça pose un problème. En géographie, si on apprend, par exemple, à un enfant, prenons l'exemple de Kinshasa, nous avons des poubelles par-ci, par-là, nous avons des immondices par-ci, par-là. Vous donnez aux enfants l'enseignement basé, par exemple, sur la gestion des déchets. Vous dites à l'enfant, voilà, lorsque vous êtes chez vous, à la maison, lorsque vous buvez par exemple de l'eau, il ne faut pas jeter la bouteille en plastique à l'extérieur. Il faut mettre ça, par exemple, dans une poubelle. Oui, mais encore faut-il trouver la poubelle. Hein? Bon. Ça, c'est un problème. Tout à fait. Donc, vous voyez, l'enseignement doit revenir à nos propres réalités et il faudrait que l'enseignement, les programmes puissent emboîter l'aspect pratique. Quittons la théorie, prenons l'aspect pratique. Si nous allons aujourd'hui en Chine, en Chine, par exemple, vous allez trouver, il y a des mineurs qui vous fabriquent des montres. Est-ce que chez nous, c'est impossible d'arriver à ce stade? Parce que nous avons des têtes, nous avons des intellectuels. Il suffit seulement que l'État puisse avoir une vision, mettre les moyens, enlever l'aspect corruption, enlever l'aspect rétro-commission, parce que c'est ce qui tue aussi notre enseignement aujourd'hui. Parce que vous avez parlé de la Chine. Monsieur l'abbé, je voudrais vous poser une question. Bon, ben, les Chinois, ils évoluent, mais ce n'est pas une démocratie. Hein. Oui, mais je crois que les Chinois, non, les Chinois ne sont pas dans la ligne de justement ce que j'ai appelé une démocratie institutionnelle, qui reste seulement au niveau des institutions qu'on appelle des institutions démocratiques, avec une certaine conception de séparation de pouvoir, comme on le dit ici. Eh bien, ils vivent peut-être une démocratie à la chinoise. Et je crois que notre péché, à nous, Africains, Congolais, c'est de copier une démocratie qui n'a rien à voir avec nos valeurs, nos réalités. C'est ça le problème. Et on nous impose, regardez l'histoire, l'histoire contemporaine, récente, n'est-ce pas? François Mitterrand convoque à la Baule, n'est-ce pas, les présidents africains et il leur dit, voilà, nous n'allons plus aider les pays qui n'entrent pas dans la démocratie et qui ne jouent pas au jeu démocratique. Et ce jeu démocratique est marqué essentiellement par deux choses, les partis politiques et les élections. Voilà les deux choses qu'on retient de cette démocratie particratique et une démocratie élective représentative. Eh bien, on nous a amené là-dedans, et bien on nous a imposé cette démocratie. Et vous voyez et comment, vous voyez comment les partis uniques ont commencé à tomber. Oui. Voilà. Mais en faisant des copies qui n'étaient même pas. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, tu apprends que nous sommes un parti sociodémocrate. Nous sommes un parti libéral. Nous sommes. Mais c'est quoi tout cela? Libéral. Ça rime à quoi dans notre culture, n'est-ce pas, négro-africaine? Ça rime à quoi, n'est-ce pas? Je crois qu'il est temps que nous puissions nous asseoir et que nous puissions remettre en question, n'est-ce pas, cette soi-disante démocratie, copie
typique certifiée conforme, n'est-ce pas, de l'Occident, et une démocratie qui, d'ailleurs, en Occident, est en perte de vitesse. Absolument. Est en perte de vitesse. Hein. Vous si avez vous regardez vu la France jusqu'au jour, la France, n'a pas. Oui, oui. Il n'y a pas de gouvernement. Voilà. Hein. Et si vous regardez le taux d'abstention aux élections, n'est-ce pas, tu te rends compte que ce qu'on nous vante ici, les élections, chez eux, là-bas, eh bien, c'est en perte de vitesse. Mm-hmm. Hein. Et nous, nous n'avons même pas d'élections. C'est une petite parenthèse. Hein. Nous avons plutôt des désignations électorales. Des désignations électorales, n'est-ce pas, qui n'ont rien à voir avec une élection libre et dite démocratique et transparente et tout ce que vous voulez. Ben oui, ouais. Ben donc, oui. Je crois qu'il est temps que le système éducatif dans notre pays puisse se défaire de cette mentalité de copier-coller, n'est-ce pas, pour que nous ayons un système éducatif au service de la vie, mais la vie réelle, la vie de l'Africain, la vie du Congolais, n'est-ce pas, et que l'élève, le jeune, l'enfant qui sort d'une école, eh bien, sache résoudre les problèmes que la vie lui pose. Qu'il soit capable de résoudre les problèmes, de un. De deux, il y a un élément que je voudrais souligner ici, c'est que le système scolaire dans lequel nous sommes est un système individualiste, avec l'aspect de compétitivité, avec les examens qui font que il faut que tu sois le premier de la classe, hein, et tout, les points, n'est-ce pas, hein, qui comptent. Eh bien, finalement, ça ne promeut pas le travail collectif, le travail en groupe, voilà. C'est-à-dire le leadership collectif, le leadership d'équipe, n'est-ce pas, et on n'apprend pas aux gens à coopérer au sens fort du terme, c'est-à-dire travailler ensemble, voilà. N'est-ce pas. Alors, un des mots qui rongent notre société congolaise est là. Oui. Les Congolais ne savent pas travailler ensemble. Parce que, monsieur l'abbé, ça, nous... Regardez, la différence entre l'école belge et l'école française, ce que l'école belge, c'est retenir et puis... Reproduire. Mais l'école française, maintenant, vous apprend à réfléchir. Un garçon a résolu son problème de telle manière, on suit la réflexion et on se dit, tiens... Il n'aura peut-être pas 20 sur 20, il aura 17, parce que il a posé le problème et il l'a résolu par la réflexion. Ben, j'ai été enseignant pendant longtemps, et des systèmes que j'ai introduits dans ma manière d'enseigner, eh bien, l'examen, c'était quoi? L'examen, pour moi, c'était pose la question et donne la réponse à la question. Et je te cote à partir de la question que tu poses, la formulation de ta question et la manière dont tu vas développer la réflexion pour répondre à ta propre question. Voilà. Eh bien, ça donne à la personne la capacité de réfléchir voilà. N'est-ce pas, autonome, de réfléchir de manière autonome, n'est-ce pas, et pas de reproduire la réflexion des autres, voilà. N'est-ce pas, et de copier la réflexion des autres. Aujourd'hui, nous avons un problème très sérieux dans les mémoires, même les thèses, n'est-ce pas, on te cote non pas à partir de ce que toi-même tu as produit, mais on te cote par ta capacité de reproduire la pensée des autres. Est-ce que tu as cité tel auteur? Est-ce que tu as cité tel est-ce que tu as cité tel livre? Est-ce que tu as... Non, mais c'est quoi ça? Et puis, monsieur c'est l'abbé, quoi ça? Monsieur l'abbé, parlons bien. Il y a beaucoup de diplômes. On sait qui a écrit ce voilà. diplôme-là. Mais cette thèse-là. Ou ce mémoire. Pardon. On sait qui a écrit cette thèse. Et tout, c'est connu. On dit à qui c'est ça. Et on finit par savoir. Oui. Alors, à quoi ça sert de jouer à ce jeu-là pour qu'on vous appelle professeur? Voilà. Et quand on vous pose la moindre petite question, ben... Vous énervez. Et vous voulez même mettre les gens en prison. Voilà. Enfin, c'est ridicule. Arrêtons de faire ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que là, nous allons droit dans le mur? Je ne sais pas combien de temps il nous reste. On va nous le signaler. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette étape de la discussion? Ce que j'ai envie de dire, c'est que
l'État a une grande responsabilité dans ces secteurs. Par exemple, vous, vous avez essayé de rédiger des livres pour obtenir la... Voilà, l'agrément. L'agrément, c'est... Je voulais d'ailleurs arriver là. Nous avons un projet. Comme vous l'avez dit au début, nous avons une ASBEL, les amis des écoliers gagnants. Nous travaillons sur un projet dénommé AMECO, améliorant l'enseignement congolais. Dans ces programmes, ou soit dans ce que nous envisageons, nous avions essayé ensemble avec les collègues de dénicher les maladies, les différents problèmes qui gangrènent, qui rongent l'enseignement congolais. Et entre autres, nous avions déniché, il y a un problème sérieux des manuels au niveau des écoles. L'État ne met pas à la disposition des écoles des manuels appropriés, conformes au programme, conformes à ce qui doit être donné précisément aux enfants. On laisse la latitude aux enseignants d'aller chercher ça et là, et par conséquent, vous allez trouver dans les mêmes options, il y a les différents enseignements des différents professeurs qui ont donné. Vous n'allez jamais trouver là où on dit 1 plus 1, l'autre dit 1 plus 1 égale 2, l'autre dit 1 plus 1 égale 3, et ça crée du désordre au niveau même de la réflexion. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour... Alors, maintenant, pour nous, ce que nous avons fait par rapport à ces grands projets, ces méga projets, nous avions disponibilisé déjà certains documents, certains livres, certains manuels conformes au programme. Alors, la seule différence qui existe entre les manuels que nous nous concevons et les autres manuels qui ont été déjà conçus, c'est que nous, au-delà de l'aspect conforme avec les programmes, nous avions aussi intégré la partie programme dans ces documents. Donc là, nous permettons à l'enseignant d'avoir en même temps les contenus de la matière et avoir aussi les programmes tels que prévus par l'État. Là, ça permet à l'enseignant n'aller plus chercher de gauche à droite, et nous avions fait l'effort de prendre le premier chapitre et le dernier. Donc, toute la matière prévue par les programmes, on a mis sur un document et nous avions fait l'effort de mettre ces documents à disposition de l'État. Nous sommes allés au niveau du ministère pour s'enquérir par rapport à la procédure de l'agrément. Mais à notre grande surprise, on nous dira que pour l'agrément d'un document de 50 à 100 pages, il faudrait payer $150 par document pour que vous ayez l'agrément. Et j'ai demandé à la dame, j'ai dit, mais madame, nous vous proposons quelque chose. Nous vous proposons quelque chose qui pourrait changer l'éducation de notre pays. Et lorsque vous nous demandez $150 pour un seul document, est-ce que c'est encourager les chercheurs ou décourager les chercheurs? Parce que si j'avais les ambitions de faire 10, 15, 20 livres, c'est très compliqué. Bien évidemment, comme c'est un méga programme, on n'a pas cette capacité de nous marchons sur nos têtes, on devrait vous payer. Vous faciliter, voilà. Donc c'est un sérieux problème, un sérieux problème. Alors là, nous lançons un message auprès de son Excellence, Madame la Ministre, Madame Raissa. Nous avons un projet. Un projet dont nous demandons juste que s'il y a possibilité qu'elle nous reçoive. On va exposer de quoi on est capable, on va exposer ce qu'on a prévu et on verra comment. Quitte à ce que d'autres puissent changer, bien entendu. Bien évidemment, parce que ce sont des pistes. Dans ces projets, il y a l'aspect révision des programmes, il y a l'aspect rédaction des manuels, il y a l'aspect rédaction des guides pour élèves, parce qu'actuellement dans nos écoles, il n'y a pas de guide pour élèves. J'ai à par l'époque, exemple, il y avait même de livres pour les maîtres. Oui. Voilà. Pour les maîtres, par exemple, il y avait actuellement, nous avons des guides importants. Il y a le premier guide qui parle des 23 principes qui peuvent aider un élève à sauter l'échec. C'est très intéressant. Nous avons notre guide où nous parlons l'amour et l'école, quel chemin emprunter pour les enfants. Parce qu'actuellement, nous savons, avec la mondialisation, les élèves, les enfants se donnent dans des situations amoureuses, tout ça, patati patata. Et nous avons essayé de parler par rapport à ce sujet. Donc, il y a en fait beaucoup de choses que nous tenons à proposer pour l'enseignement congolais. Et nous demandons juste à la ministre de nous recevoir. D'accord. Voilà. De toute façon, c'est reçu, je l'espère. Alors, vous parliez,
Moi, je voudrais donner juste un conseil, puisque ça va être bientôt la reprise des cours. Vous savez, nos amis qui, depuis l'école secondaire, se sont amusés à faire ce que vous dénonciez, les amourettes, aujourd'hui nous appellent patrons. Mais parce qu'ils se sont laissés distraire par, quand vous êtes jeune, intéressez-vous à votre... à vos études. Les filles, moi je, dans mes posts sur East, je demande aux parents d'encourager les filles d'aller vers les mathématiques. Les mathématiques, c'est ça qui va sauver ce pays. Parce que généralement on dit non, d'abord le garçon. Dans mon parcours, j'ai constaté qu'il y a des filles qui étaient encore plus intelligentes que les garçons, que tout le monde et la chance d'aller à l'école, et qu'on encourage, pour avoir des ingénieurs, il faut passer par des mathématiques. Monsieur l'abbé, vous avez une minute pour terminer cette émission, puisque c'est vous qui l'avez commencé. Eh bien, je dirais tout simplement ceci. Le but que j'ai visé en proposant ce thème, quelle école pour quelle société, c'est en fait une contribution au travail de la refondation de notre nation. Voilà. La refondation de notre société, n'est-ce pas ? Qui doit être refondée sur des bases nouvelles. Sur des bases nouvelles. Et en fait, c'est l'homme qui doit changer, l'homme congolais, qui doit changer, et l'école doit devenir un milieu de transformation de l'homme congolais. Non seulement de formation, mais aussi de transformation de l'homme congolais, n'est-ce pas? Et l'homme congolais, ce n'est pas seulement l'enfant, le jeune, mais c'est aussi l'adulte. Et alors, je dirais personnellement que l'école aujourd'hui doit devenir une école démocratique. Démocratique au sens où elle intègre l'apprentissage des différentes valeurs que nous avons évoquées, d'égalité, de participation, de liberté, de justice, de solidarité, avec leurs corollaires, n'est-ce pas ? Eh bien, si à l'école on apprend cela, on formate les jeunes, les enfants et les adultes aussi, n'est-ce pas, à intégrer ces valeurs dans leur vie de chaque jour, je crois que l'école deviendrait une chance pour une société démocratique telle que nous la voulons. Très bien. Alors, pour terminer, au début de cette émission, j'étais en colère contre toutes ces personnalités qui veulent, comment je vais dire, tricher avec les embouteillages. Non, c'est vous qui êtes des modèles. Et ces véhicules qui veulent éviter les embouteillages pour aller devant, je demande aux autres conducteurs de ne jamais leur laisser l'occasion de se mettre dans les rangs. C'est vous qui compliquez la circulation. Si chacun, celui qui se réveillait le matin, a pris la peine de se réveiller le matin, vous êtes réveillé en retard et vous voulez le dépasser, mais vous n'êtes pas un bon citoyen. Vous devez rentrer à l'école pour que vous soyez reformaté, comme disait Monsieur l'abbé. L'ordre, c'est par l'ordre qu'on voit un pays organisé. Tous ceux qui mettent du désordre n'ont pas raison. Parce que si on vous a dit, on vous a appelé il y a 5 minutes, eh ben, demandez à l'autorité de vous envoyer peut-être un motard qui essaiera de... Vous lui dites à l'autorité, monsieur, on vient de me donner l'information à 30 minutes, je ne pouvais pas arriver à temps. Il ne faut pas avoir peur de perdre son poste parce qu'on dit la vérité. À ce moment-là, on se posera la question de savoir pourquoi le protocole n'a pas à donner l'heure en retard. Et c'est le protocole qui s'est puni et non pas vous. C'est une école de vérité dans laquelle nous voulons plonger notre pays. Je vous remercie de nous avoir suivis et dans combien ? Dans 2 semaines, voilà, dans 15 jours. Merci, merci, Héritier Monzo. Je ne vais pas vous remercier, vous êtes chez vous. Merci beaucoup. Au revoir.